Et alors maintenant, Mathias Malzieu, c'est l'heure d'accueillir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, nous recevons le docteur Hippocrate Saint-Trédu-Radius. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Je suis donc le docteur Hippocrate Saint-Trédu-Radius. Voilà, je viens car un confrère radiologue de Nîmes m'a appelé en urgence au sujet de la chute sur scène du patient Malzieu le mois dernier et sa blessure à la jambe. Attendez, voilà. Vous êtes médecin hein? Eh bien non, je suis garagiste, Thomas. C'est une boutade. Alors, excellent. Bon, je sais que Mathias Malzieu... Merci beaucoup, Anissa. Alors, je sais que Mathias Malzieu a un grand respect envers son public, voilà, et que la dernière fois qu'il est tombé en l'an 2000 à Angoulême, il a repris sa tournée et a fait 45 concerts assis, voilà. Ouais. Mais bon, on va quand même regarder le compte-rendu, si vous le voulez bien. Alors, on est visiblement selon la tomodensiométrie du scan sur une fracture longitudinale du spyroïde et de la fibula, avec entorse du ligament croisé antérieur gauche et luxation de la patella avec récessus. Pardon? La patella, Thomas. Oui. C'est quoi la patella? Bah, c'est la patella. C'est dans la trochlée. Voilà, Thomas. Ah oui, ça aide beaucoup. Ouais. Ouais. Bon, visiblement, vous ne vous êtes pas raté, Mathias. Oui, voilà. C'est ça. Il y a eu consolidation plâtrale totale et non partielle. Et heureusement, hein, car un défaut de la consolidation majeure aboutit en cas clinique à une pseudo-arthrose bilatérale. Voilà. Et il s'est cassé qu'une seule jambe. Comment ça peut être bilatéral On ne sait jamais. Bon, il y a également une fracture engrenée de la hanche due à un genum valgum antechutum. La chute, Thomas. Et une légère fissure du talus, c'est bien ça? Du talus? Engrainé, oui, non. Bon, attention, parce que le talus mal soigné, ça part direct sur un déplacement latéral du cuboïde avec déclenchement vasculaire sur le naviculaire droit. Mmh. Et ça, c'est l'effet dominus. L'effet dominus. Oui, dominus, dominé, Thomas. C'est du latin. Nominatif, vocatif, accusatif... Oui, disjonctif, préservatif. Vous moquez de moi, Thomas hein? Moi, je viens gentiment donner un deuxième avis, alors que normalement, c'est 370 balles la consulte. Ah, et vous foutez de ma gueule? Non, mais il n'y a pas de Thomas, problème. Thomas, non tamanim taidium sumi proust, tout ça. On ne comprend rien, la docteur. Ah oui, vous ne comprenez rien. Non intelligis à l'écoute du tout. Donc moi, maintenant, abeu aductor peest, mederidet relatoris, plus non comedi, venter meus, donet. Voilà. J'ai rien compris du tout. Eh ben, bon. Merci beaucoup, docteur. Ouais, c'était voilà. Passionnant, cette analyse. 370 euros pour ça, c'est peut-être un non, mais c'est exactement ce qu'on m'a dit à Nîmes. C'est ce qui s'est passé, ouais. Vous confirmez l'intérêt du deuxième avis. C'est mot pour mot ce qu'on m'a dit à Nîmes. Ah, bah, le diagnostic est confirmé. Ah, merci Philippine Delair. Bravo. Bravo Philippine. Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus simple sur Europe 1 à comprendre.